Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Ça fait longtemps, pour ne pas dire très longtemps, que j'attends un Monster Hunter sur une console que je peux appeler avec une résolution, comment dirais-je, en HD. Voilà, parce que du coup la Wii ou la DS, c'est pas vraiment HD. Mais bon, on se retrouve donc du coup sur Monster Hunter World, on est parti tout de suite, je vais arrêter le blabla. La bêta est sortie aujourd'hui, je pense que vous le savez si vous êtes fan de Monster Hunter. En tout cas, nous on va aller se faire quelques chasses. Et donc du coup, ben c'est parti, allez let's go. Ok, on arrive sur le menu, solo multijoueur, on va partir en solo. On va voir un petit peu quel monstre nous réserve cette bêta. Et pour l'instant, je peux vous dire que le jeu est relativement clean et relativement sobre. On va se faire une nana. Voilà les gens, si jamais... je vais faire une série, c'est même sûr et certain, je vais faire une série sur Monster Hunter World. Je vais choisir une fille pour cette bêta, mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas la même que dans la série que je vais faire. Je peux vous dire, si vous êtes intéressé, dans les commentaires, mettez-moi en description, enfin en commentaire, si vous préférez un homme ou une femme dans la série. J'attends vos retours. Pour l'instant, on va attaquer sur une femme et... Vas-y, on va prendre ça. On va prendre elle, entrer un nom, on va l'appeler tout simplement Sakura. Ouais, j'ai pas beaucoup de... Ouais bah c'est bon, je manque d'imagination hein. Alors, soit on fait un... Vas-y, on va faire un aveugle. Allez, on va se faire un petit aveugle. On va l'appeler Chacha. Dédicace à toi Steve, si tu regardes cette vidéo. Alias Bite d'acier, je crois que c'est lui, non je sais plus si c'était lui que j'ai appelé ça comme ça. Bref, on est parti. Bon, spoiler alert, on a le droit à que trois quêtes. J'ai fait une vidéo avant, elle a complètement foiré. Ne vous inquiétez pas parce que du coup on va faire on a le droit, on a le choix en fait, le grand Jagras, chasser un Baros ou alors le monstre mystérieux. Je pense que dans cette vidéo on va aller se faire un Baros. Et dans la prochaine on se fera le monstre mystérieux, même si je pense savoir duquel il s'agit. Du coup, temps imparti écoulé s'évanouir 9 fois. Donc déjà ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans les anciennes versions du jeu c'était 3 fois, on avait le jeu à droit à 3 chances seulement. Donc du coup là c'est 9 chances. Est-ce que c'est lié à la bêta? Est-ce que c'est le jeu qui s'adapte aux nouveaux joueurs? Je sais pas. On est parti en tout cas en Baros. Quand... Ah, on peut choisir le camp. Ah ouais, mais comment tu veux que je sache ça, moi? On va prendre le camp central. Je pense que c'est le mieux. Équipement. Le jeu, il est méga beau. Il est méga stylé. Qu'est-ce que nous avons? Hache, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de me le faire à l'arc. C'est quoi? On va se faire à l'arc. L'équipement, on va laisser comme c'est, à moins que le Baros, feu, eau, ouais, ça semble être pas mal en fait, fin de compte. On va laisser comme ça, le Palacio, on va laisser aussi comme ça, Palico. Alors moi, je vais toujours dire Palacio, ok? Si ça vous plaît pas, ce n'est pas grave, je dirais toujours Palacio ou Chacha, voilà, on verra. Départ, on est parti! On est parti pour tester ce jeu, qui ma foi m'a l'air vraiment, vraiment beau. Combiner une potion du miel pour préparer une méga potion, restaurer plus de vie. Vous trouvez des scaragrappins dans de nombreux endroits. Visez l'un d'entre eux et appuyez sur rond pour vous accrocher ou vous lancer. D'accord, les capsules dégainant une odeur nous avons qui fait fuir les monstres. Ok. Bien, partenaire. On a une nouvelle mission. C'est vraiment méga beau. Méga beau. Un coup d'œil à la carte. Ok, donc là on est lancé, on a des petites lucioles, je sais pas si vous voyez là, là-haut. Cela nous indique des indices liés au monstre, c'est-à-dire que... Waouh, elle est vénère. C'est-à-dire que du coup, on aurait une petite barre qui va... Tu veux pas grimper toi? D'accord, ok, tu veux pas grimper ici, on va peut-être grimper là. Je vais vous montrer ça. J'ai repéré qu'il y avait des machins ici. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont ces traces? Les navicioles
ont trouvé quelque chose. Ouais, mais elles sont où? Ça de plus près. Par là-bas? Est-ce que ça serait pas... Ah, c'est en bas, voilà, parfait. Hop! Regardez. On prend une empreinte et à droite on a une... Ecofact, ça s'appelle comme ça. Ensuite, on va chercher d'autres empreintes qui nous mènera du coup au monstre après. On peut voir sur la mini-carte la direction des... Ok. Ouais, bah ouais, effectivement. Ok. Wow. T'es vénère toi. Ok. Je suis en train d'apprendre tout doucement l'arc. Ok. Ok, donc ça c'est... Ouais. C'est vraiment pas mal. D'accord. Ah ok. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Coucou. Allez. Donc là on est sur le Baros. Le Baros est un monstre relativement dur. Dans le sens que en fait c'est du caillou. Ok. Dans le sens que c'est du caillou. Je connais un petit peu ses attaques. Est-ce que ça sera les mêmes que dans les autres jeux? Ouah mon dieu. Ah mais non, je vais en plein dedans. Bah oui c'est bon, je m'enlève, t'inquiète. En tout cas, le jeu, c'est un régal. Un pur plaisir. Là, il bouge pas. On va lui jeter ça dans la tête. Voilà. C'est plutôt bien. Allez, on recommence. Il a esquivé. C'est bien. Alors, je vous dis, l'arc, c'est une des armes les plus compliquées. Voire la plus compliquée. Donc, du coup, si... Je gère mal, vous m'excuserez. Waouh, 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 waouh. Ça va. Encore une chance que qu'il ne fasse pas trop trop mal. Là, on va se faire un petit... Je l'ai raté. Non. Oh là 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 là, c'est balèze. On va essayer de le faire tomber. Je sais pas si je pourrais y arriver. Aïe, 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 aïe. Oh, il fait mal, hein. Oh, il fait mal. Ce que je peux faire par contre. Ah ouais. On peut utiliser les navicules pour les localiser. Ok. Il fuit le combat. Je pense que j'ai déjà fait quand même un petit peu mal. Bon, pas énormément. Fiole, on va peut-être la prendre. Fiole de paralysie. Comme ça, on paralyse et après on lui fait une attaque. Ça s'appelle comment ça? Tir de barrage. Ouais, tir de barrage. Ça fait... par chaque boule qui tombe, ça fait du 20 de dégâts. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Où est-ce qu'il se met? Ok, donc première étape. On le... Il est où? Première étape, on le paralyse et ensuite on lui fait... tir de barrage. Enfin, on lui met tout dans la gueule. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh là 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 là, et c'est qu'une bêta en plus. Ok, là-bas on l'a vu. Oula, non, non, pas ça. Sortir ton arme. Waouh. Ok, je vais peut-être pas sortir ma potion tout de suite. Oh, peut-être que si, peut-être que si, peut-être que si. Ok, bois, 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 bois. Bien, parfait. En plus, c'est con ça, parce que du coup, je suis tout seul. Waouh. Ok, ça va. Merde, je me suis trompé. Ok, me dis pas qu'il fuit encore, non? Ah non, il va se mettre... ok. Il va se mettre de la boue sur lui. Allez, faut que je le paralyse.
Ah, je l'avais pas activé. Voilà, c'est mieux là. Ok, il est paralysé ou pas? Ouais, je crois qu'il est paralysé. Ensuite, tir de barrage. Comme ça. Voilà, on peut la mettre plein dans la gueule, je pense. C'est pas mal aussi. On lui fait un perce dragon. On peut encore lui faire peut-être un perce dragon. Dans le cul. C'est pas là où est-ce qu'il a le plus mal. C'est vraiment pas là où est-ce qu'il a le plus mal. What? Allez, tir de barrage. Wouah! Vas-y, on va les déranger un petit peu. On va faire plein de tirs de barrage sur leur tête. Ils vont prendre méga cher. Normalement, les bateaux morts, je crois. Ouais, je crois qu'il va boiter. Dans le cul! Ouais, il boite pas, non, il boite pas, mais par contre, il est sacrément mal en point. J'avais envie de vous montrer quelque chose aussi. C'est le Diablos qui est dans cette map là. Je sais pas si je vais pouvoir y avoir accès. On verra ça, en tout cas, on va le suivre. On verra. On verra ça. Je sais pas où est-ce qu'il va. Normalement, il est sur un terrain sableux. Donc, du coup, la map là, c'est le désert. Et lui, c'est quoi ça? Ah merde, il est là, je l'ai pas vu! Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ok, bon, c'est quoi? On va y aller. Fiole de combat. Il a fait tomber. Allez, là on le marave bien. Ok, ça c'est bien. Si je le fais comme ça. Ok, il est tombé. Non, il va tomber. Oula. Ok. Tu prends une pluie de barrage là. Non. Oh là 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 là. L'arc, il est vraiment bien. Franchement, il est génial l'arc. Il me dit pas qu'il est faible sur le dos. Est-ce que je peux lui mettre? Ah oui, je peux. Parfait. Du coup, ça c'est bon. Ok. On va. What? What? Ah, ils m'ont aidé. Attendez. Tir de barrage là. Là, il n'y a pas sortie du coup pour que je fais droit. Tir de barrage, on enchaîne avec une un perche dragon. Ça, c'est bien. Ça lui fait mal, ça, il kiffe pas, je crois. Merde, il est tombé. Normalement, là, on l'achève, je pense. On fait deux tirs de barrage dans la tête. Et on va aller enchaîner avec un perche dragon. Oh là 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 là, mais comme ça s'enchaîne bien, c'est fluide, c'est beau. Oh là 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 là, il prend tellement cher. Encore un, on peut, mon avis. Est-ce qu'on peut? T'en restant 10 minutes. Il est tombé. Il est pas tombé. Je crois qu'il va se barrer là. Ouais, il a mal. Ok. C'est vraiment bien. Ok, fiole de force pour après. Est-ce que c'est... Non, ça reste. Ok. Bon. C'est relativement bien. Je tiens encore à dire, les graphismes sont juste incroyables. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte sur le rendu de la vidéo. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Allez. On va aller le voir.
Est-ce qu'il est à l'endroit? Est-ce qu'il y est? Les gars, je vais vous montrer le Diablos. Est-ce que... Est-ce que je peux... Non, me dis pas que je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué. Ok, parfait. Regardez ça. Attendez, attendez, attendez. Attention. Here comes the boom. Non. Mais non, reste là. Reste là, non. Oh mon dieu, non, 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 ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Eh oh, je suis là, viens, viens. Par contre, si il va me chasser, je vais me faire défoncer. Allez, viens, je suis là. Waouh. Allez. Allez, deux fois de suite, t'es sérieux? Ok, là il va me chasser, je crois. Même pas. Ok, bon bah les gens, voilà, je vous ai montré le Diablos. Je sais pas comment on peut pas enchaîner ça. Ok, bien. On va essayer de le finir, il nous reste à peu près 18 minutes, non, 8 minutes pour le finir. Ça devrait être jouable, il est juste devant. Est-ce qu'on le dirait pas bonjour avec un Perse Dragon? Reste là. Oh là là, il est bien. Il est tombé en plus. Ok. Tire, 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 tire. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais viens. Ok. En fin de compte, l'arc, il est quand même sacrément bien maniable. C'est juste un régal de jouer avec l'arc. Reste là, reste là. Parfait. Sa queue a été coupée. Ok, je l'ai coupé sa queue. Je peux couper la queue. Je savais pas qu'on pouvait couper la queue directement. Oh là 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 là, ça doit faire tellement mal. Tire. Ok. Je savais pas qu'on pouvait la queue, couper la queue du coup avec avec l'arc. Et c'est quand même bon à savoir. Oh là là, reviens ici. Je vais pas te chasser pendant tout ça. Là, reviens là. Ok, non, il va dormir là ou il va se mettre dans la boue. Dans le petit coin, tu t'arrêtes là. Arrête-toi là, s'il te plaît. Arrête-toi là. C'est bon, t'es très bien là. Allez. Donc j'ai pas loot sa queue, hein, pour la simple bonne raison que c'est la bêta, ça ne sert strictement à rien du tout encore. Ok, il va se mettre là, parfait. Normalement, il va se prendre un bon barrage dans la tête. Même deux. Ensuite, enchaîné. Oh là 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 là, c'est beau. J'adore ce jeu. Tu as accompli la quête. Bravo. Génial. Bah oui. C'est trop bien. Oh là là, c'est beau. Et là, on le dépece. Oh là 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 là. J'adore. Il est incroyable ce jeu. Vivement. Le 28 janvier, je crois que c'est ça. Vivement le 28 janvier. Un vrai régal. Un pur régal ce jeu. Les gens, si jamais vous avez une PS4, vous avez la possibilité de charger le jeu, allez-y, foncez. Parce que franchement, il en vaut vraiment le coup. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et un commentaire pour me dire du coup si vous préférez un homme ou une femme dans la série que je vais faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis ciao tout le monde. Bye.